de se passer, c'est une transformation très profonde du contrat social qui lie l'agriculture au consommateur. Ça se passe par la capacité qu'on a collectivement à construire une forme de nouveau contrat social autour de ce qu'est l'agriculture, l'alimentation. Qu'est-ce que l'on veut collectivement? Qu'est-ce que collectivement on est prêt à payer? On a évoqué la transition alimentaire, est-ce qu'elle est en cours, etc. Elle est en cours. Enfin, elle est en cours. Cette transition, elle est réelle, elle se vit dans les magasins. C'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus demandeur, justement, d'une contractualisation, d'une traçabilité et d'une transparence. La société, elle porte une utopie. Elle porte une utopie du sans plastique, elle porte une utopie du sans produits chimiques, du sans phyto. Les médias, d'une manière générale, ont créé la peur auprès du public et génèrent aujourd'hui des demandes qui sont, pour la plupart, je pense, non fondées scientifiquement. Comment on arrive à faire en sorte que les gens, ils aient confiance et ils aient une information de façon à faire des choix raisonnables et en fait transformer une utopie, c'est important l'utopie dans la vie, en quelque chose qui est une utopie relativement atteignable.